Bienvenue à toutes et tous pour cette rencontre qui va se jouer dans de très bonnes conditions. C'est Hervé Matou avec, vous vous en doutez, à mes côtés Pierre Ménès. Ces deux nations qui se retrouvent en match amical. Occasion pour elles de voir où elles en sont un petit peu avant les vraies échéances. On attend beaucoup de ce match, hein, Pierre. Eh ben ça, c'est une rencontre qui vend son pesant de ce que tu voudras, mon petit Hervé. Voici les 11 joueurs locaux qui vont débuter ce match. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. On regarde la composition de cette équipe, on serait vraiment étonné de l'avoir laissé le ballon à l'adversaire. Ça, on n'est pas du genre à attendre les erreurs ou les mauvaises passes de l'adversaire, mais plutôt à aller les provoquer soi-même. Ça fait longtemps qu'elle joue comme ça, cette équipe. L'arbitre consulte sa montre, tout semble prêt. Ouais, on espère assister à un grand match. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ali Annan. Le 2. Ouais, on fait tourner en attendant un petit décalage possible, une faille dans la défense. Ouais, il avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Allez, bonne touche dans le camp adverse. Il cherche des solutions là. Le gardien qui a bien jailli sur ce ballon en profondeur. Ouais, on passe par les côtés. On cherche un partenaire encore, ça circule bien. Ah, ça circulait bien. Finalement, c'est intercepté. Il se dispute ce ballon. Attention, ça peut être dangereux. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ah, ça va pas être facile de s'en sortir. Allez, dans le couloir. Allez, il est passé par-dessus. Ouais, très bon duel défensif, bien joué.
complètement dommage. Il a essayé d'étirer un petit peu le jeu, mais c'est sorti en touche. C'est un ballon perdu. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Allez, peut-être une bonne occasion. Ils font bien circuler le ballon. Ils sont patients. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. Le gardien qui repousse. Attention. Rendu au camp adverse. Ils font tourner. Et le but ! Le premier but du match ! Un ballon magnifiquement distillé, bien dosé, Pierre. Ça vient frôler la base du montant, c'est la grande précision, c'est de l'horlogerie. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Très bonne anticipation sur ce ballon. Elle conserve le ballon avec beaucoup de maîtrise. Elle ne maîtrise pas le ballon, ils le perdent. Ballon perdu. En train de remonter le terrain. Chercher une ouverture, bien sûr. Attention, le danger. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Et on revoit ensemble cette petite séance de tiki-taka qui nous amène ce but. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part seul au but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. C'est une belle action individuelle. Ça fait maintenant du but d'écart, hein. 2-0 au tableau d'affichage. On aura droit à une petite minute de temps additionnel.
La passe est coupée, bien défendue. Et bien voilà, l'arbitre qui siffle la mi-temps. Oui, rappelons que c'est un match amical. On va voir si le rythme change en seconde période. Et puis surtout si les sélectionneurs vont faire tourner. On a peut-être le temps de dire un mot sur la prestation de ce joueur aujourd'hui. Il n'a pas donné beaucoup de bons ballons et ses coéquipiers ont du mal à le trouver dans la profondeur. C'est un match mal engagé pour son équipe. Tout n'est pas de sa faute non plus, mais enfin, il faut ce qui se bouge. Seconde période, il peut encore se passer plein de choses, Pierre. Tout dépend de ce qu'ont décidé les entraîneurs, puis aussi de la fraîcheur des joueurs. Transmet ce ballon. Et il est dépossédé du ballon. Et encore une bonne passe. Et il progresse vers le but. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Il faut trouver une option disponible. Ah, que peut-il faire ? Ah, beaucoup d'assurance dans son geste. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de 109. Ce serait pas mal, oui. Il continue sa progression. Il cherche une solution. Oh, ça peut faire but. Oh, superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. C'est un but qui leur permet de prendre leur distance au tableau d'affichage. Oh, que ce but va leur faire du bien. Je crois qu'ils vont vraiment se sentir libérés. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. Ouais, elle gagne son duel. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. L'entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Et ce ballon qui est récupéré. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Ça peut devenir dangereux. Il peut le mettre. Le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. L'entraîneur qui décide de le faire sortir. Je trouve qu'il a été bon dans ce match. Disponible pour ses coéquipiers. Il a contribué au bon match que son équipe est en train de réaliser. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Allez, il continue. Bien repoussé par la défense.
Allez, Annan. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Ouais, ils lui donnent carrément. Allez, on change tout. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Est-ce qu'il va centrer? Ah, il l'a éliminé, attention. Ah, encore un tacle et encore une fois réussi. Chercher une ouverture, bien sûr. Très bonne intervention, bien vu, c'est pas terminé. Oui, il y a des options dans la surface. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Essaye de trouver la faille. Ouais, un cadeau. Ah, je crois qu'on ne verra plus de but dans cette rencontre. Ouais, beau travail, il protège bien son ballon en attendant les renforts. Ouais, l'adversaire qui resserre son pressing, hein, c'est logique. Oh là, c'est un petit peu la passe à 10 hein, en ce moment. Ouais, on sent les joueurs bien en place, le porteur du ballon a toujours une solution, c'est bien huilé. Hein. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Et il a bien lu le jeu sur cette interception. Ouais, bonne transmission. Il cherche des solutions là. Ouais, il est passé par-dessus. Allez, ça joue vers l'avant. Allez, le plongeon là pour les photographes. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Cette équipe qui s'impose devant son public. Ah, une nette victoire au tableau d'affichage. Rien à dire sur ce qu'on a vu dans ce match. Elle est complètement logique. Bon, je crois que Pierre, l'homme du match, on l'a sous les yeux. Hein. C'est un bon match qu'il vient de livrer, qu'un doublé à la clé. Quand il évolue à ce niveau-là, il a tendance à tirer l'équipe vers le haut.